Puis-je vous présenter ma nouvelle épouse, Colette? Les années folles sont terminées, alors? Au contraire, elles viennent tout juste de commencer. Tu as épousé un entrepreneur littéraire. Tu as épousé une fille de la campagne sans le sou. Nous sommes voués à l'échec. Willy est une marque. J'ai pris d'énormes risques et je n'ai toujours pas d'argent. Il faut augmenter la production. Toi, tu pourrais écrire. Mes histoires d'écolière. Oui, ça pourrait être le prochain roman de Willy. Est-ce que vous écrivez aussi pour lui? Oui. Il n'a pas tardé à faire de vous un de ses fantômes. Je m'appelle Claudine. J'habite Montigny. Probablement que je n'y mourrai pas. C'est magnifique. Jamais je n'avais vu des livres s'envoler des étagères avec une telle rapidité. Et ils sont achetés par des jeunes femmes, vraiment. Claudine ! Willy, ton livre changera le monde ! Claudine ! Toujours aussi subtil. Je compte bien faire de Claudine la fille la plus populaire du monde entier. J'ai l'impression que Willy s'est inspiré de vos histoires d'écolière. Oui, j'ai été, si j'ose dire, mise à contribution. Nous avons enfin un succès, et tu insinues que ce n'est pas moi qui en suis l'auteur. Les gens aiment les ragots ici. Je comprends leur mentalité, pas toi. Je l'ai assez bien comprise pour écrire un livre encensé partout Paris. Tu as fait une chose importante. Toutes ces jeunes filles, tu leur as donné une voix. Tu devrais assumer que c'est toi. Il te faisait la cour. Ta jalousie n'a pas sa place. Mais pourquoi? C'est sa femme qui m'intéressait. On a de la dynamite entre les mains. Elle pourrait nous exploser au visage. Depuis quand considères-tu qu'un scandale soit une mauvaise chose? Oh, comme c'est curieux. Votre ligne de cœur se divise en trois. Je dois m'habituer au mariage. Peut-être que ton mariage devrait s'habituer à toi. On nous implore d'en écrire de nouveau. Je refuse d'écrire un autre Claudine. Est-ce que tu as perdu la tête? Écris! Willy, espèce de salaud! Personne ne pourra t'enlever ce que tu es. Détruisez-les. Jetez-les au feu. Quand tu m'as trouvé, je ne connaissais rien. Tu m'as façonné selon tes propres désirs. Et tu as cru que je ne m'émanciperais jamais. Mais tu t'es trompée. C'est la main qui tient la plume qui écrit l'histoire.